rise for the national anthem of France. C'est difficile à décrire parce que la Marseillaise qui a le plus de valeur, ça sera celle des championnats du monde ou celle des Jeux. Celle des Coupes du Monde, c'est une satisfaction d'arriver à un objectif intermédiaire. On n'est pas encore rempli d'un max d'émotions, mais c'est un énorme plaisir de pouvoir représenter la France et puis d'entendre cette Marseillaise qui reste un moment d'exception puisque c'est un moment, on l'entend lorsqu'on gagne. Ouais, mais si je comprends bien, tu voudrais bien l'entendre, mais à Rio. Ouais, tout à fait, ouais. Aujourd'hui, j'arrive vraiment à maturité. Et comme je dis, je suis jamais été aussi rapide en bateau. J'espère concrétiser ça sur... C'est une belle perf à Rio l'année prochaine. Je pense que c'est légitime. C'est légitime. Ça ne me reviendra pas de droit. J'irai le chercher. Mais étant au contact des meilleurs, je peux prétendre jouer le podium comme eux. Le monoplace, c'est vraiment quelque chose de particulier. Il faut beaucoup d'expérience, beaucoup d'expérience. Sans parler de la forme physique, bien sûr, mais il faut beaucoup d'expérience, de confrontation. Et là, maintenant, il est stable. La fédération a compris que c'est le monoplace, quoi. Il faut le laisser en monoplace. Et donc là, maintenant, il peut prendre l'expérience et prendre l'assurance, surtout par rapport à ses adversaires. Il a plus peur, quoi. Maintenant, il est dans les 5-6 meilleurs du monde. À moindre occasion, il est sur le podium, il va bientôt gagner. Silkari could be slightly pulling ahead of Adam van Cuverden at the middle of your picture. It's going to be clear now that Silkari has really. Oui, c'est vrai. Il y a cette victoire en Coupe du Monde sur 500 mètres, mais il y a aussi les trois compétitions qu'on a effectuées depuis le début de l'année, les championnats d'Europe où je prends deux quatrièmes places sur 1000 mètres et sur 500 mètres, cette Coupe du Monde où je gagne sur 500 mètres, je fais 6 sur le 1000 mètres et les Jeux européens à Bakou où je fais 7e sur le 1000 mètres et 3e sur le 5000 mètres. Tout ça en ce début d'année est positif et bon parce que des fois les débuts d'année sont... je suis pas autant aux avant-postes, je suis proche dans le groupe, mais là je suis encore plus dans le groupe. Donc ça va être, j'espère, positif pour la suite et ça prouve voilà, qu'on est encore dans le vrai et que ça, la marge de progression est encore là. Ouais, mais on ne s'occupe pas du rythme cardiaque. Travaille bien sur la précision de pagayage et l'accélération. Tout est faisable, il y a encore du travail. Il y a encore du travail. Il y a un an et deux mois avant Rio. C'est beaucoup et peu à la fois. C'est beaucoup et peu à la fois. Pour moi, je dis que c'est peu parce que je me suis rendu compte sur l'Olympiade précédente que c'était passé à une allure folle. Et cette Olympiade est passée à une allure folle et on n'a pas de temps à perdre. Chaque jour est important, il ne faut pas passer à travers, quoi.